Dernier entraînement et consigne avant le jour J. Les Mulhousiens se sont imposés à Andrézieux au match aller. En cas de victoire à la maison vendredi soir, ils décrocheront leur ticket pour les quarts. Si défaite, ils disputeront la belle dimanche. Une issue que la coach espère éviter. Si on peut gagner dès vendredi, on va pas s'en priver, normal. Mais encore une fois, c'est comment on va prendre le match. On est bien rentré dedans, donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on lâche tout, surtout à domicile, devant notre public. Donc on va essayer de plier ça en deux. Si l'objectif n'est pas de monter en Pro B, les Mulhousiens aimeraient aller le plus loin possible dans la compétition et pourquoi pas créer à nouveau l'exploit d'accéder au final. Bien sûr, on l'a fait l'année dernière. Bien sûr, quand on y goûte, on a envie d'y retourner. Mais là, on sait que le chemin est très très long pour y arriver. Et il faut juste profiter de chaque match, pas penser au tour suivant, juste prendre match après match et essayer de les gagner les uns après les autres. On est compétiteurs, mais le problème, c'est comme je disais, c'est qu'on est plein d'équipes à vouloir aller au bout. Et avec l'appui du public, on espère que ça va nous aider à aller loin. Et les Mulhousiens pourront bien compter sur leurs supporters. Plus de 2000 tickets ont déjà été vendus. Et bien, ensemble.